Café Reine des Grenouilles est un nouveau spectacle pour toute la famille qui a été créé par le Geniva Camerata avec marionnettes. Ce sont des marionnettes qui ont été spécialement conçues pour ce spectacle par Laure Isabelle Blanchet, qui est également notre marionnettiste. C'est un spectacle qui est en fait basé sur le grand chef-d'œuvre de Jean-Philippe Rameau, Platé. Platé, c'est la reine des grenouilles qui dirige son royaume d'une main de fer et elle terrorise toutes les petites grenouilles du royaume. Son problème, c'est qu'elle n'est pas très très jolie, elle est même carrément moche. Mais elle, elle ne le sait pas, elle est sûre qu'elle est splendide, elle a une énorme confiance en elle et elle veut absolument que tous les autres animaux du royaume soient fous amoureux d'elle. Ah, Junon et Jupiter, c'est le couple d'amoureux du spectacle, ce sont les tigres. Ils sont très amoureux, mais le problème c'est que Jupiter est aussi un grand, grand séducteur. Il adore faire le beau auprès de toutes les femelles de la forêt. Et à côté, Junon, sa tigresse, et justement, une vraie, vraie tigresse, elle est très jalouse et elle ne supporte pas le caractère de son mari. La folie, c'est le singe du spectacle, le chimpanzé. Elle est complètement déjantée. Avec elle, tout est permis. Elle danse, elle chante, elle bouge, elle surprend tout le monde. Avec elle, il faut s'attendre à tout. L'idée était vraiment de faire découvrir aux jeunes le monde de l'opéra à travers cette fabuleuse musique. C'est vrai que l'opéra n'est pas toujours facile d'accès pour les petits, ni pour les grands d'ailleurs. Et notre mission était, avec ce spectacle, de faire découvrir la beauté du monde de l'opéra à travers cette musique extraordinaire. Platé est sûre que Jupiter est fou d'elle. Elle pense même qu'il va l'épouser. Mais en fait, au moment du mariage, Junon, la tigresse, revient récupérer son mari. Et là, on comprend que tout cela n'était qu'une sorte de blague contre Platé. Mais toute l'histoire finit. Thank you.
compris. Parfois, il ne faut pas chercher bien loin pour trouver l'amour. Il est là, juste à côté de vous. Il vous attend.